Salut, c'est G Supercar. Bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog un petit peu particulier, car j'ai décidé donc de vous faire un petit best-of, un best-of donc des meilleurs moments que j'ai passés durant l'année 2018. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une agréable et très heureuse année 2019. Santé, bonheur, argent, supercar, hypercar. Pour vous les spotters, j'espère que vous allez spotter un maximum d'hypercars durant 2019. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel a été votre meilleur spot ou le plus beau véhicule que vous avez croisé en 2018. Maintenant, place aux images. Donc, c'est parti pour le best-of 2018. Et encore une fois, bonne année à tous. Regardez-moi ce convoi de malades qui part de là-haut jusqu'ici. Il y a encore des voitures devant moi. C'est franchement, c'est très très impressionnant à voir. De suite faire un launch control, c'est parti. Salut, c'est GE Supercar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de car spotting à Monaco. Non, non, salut, c'est Courouette. Salut. 1, 2, 3. Salut, c'est GE Supercar. Parfait. Le trio choc. Tu finiras pas à l'eau, bravo. On a le trio de choc juste ici avec la Diablo, la Carrera GT et la EB 110 GT juste à côté. Donc ça va faire un petit combo. Là je pense que ça va faire des photos un petit peu. Hein. Et là j'échange volontairement mes abonnés, ils vont passer toute la journée maintenant avec World Supercar qui est juste là-bas. Ils n'étaient pas au courant. A bientôt. Woo!
Là, je vais vous montrer la plus grosse voiture que vous allez voir à Monaco. Les spotters, ils sont déjà chauds. Ils sont en train de tous la spotter. C'est un truc de malade. Regardez ça. Multipla. Holy shit. Oh, regardez-moi ce combo de Multipla. Voilà, à défaut, il y a ça. Mais on s'en fout. Multipla. Oh là là. Un commentaire? Excusez-moi, mademoiselle. Soit. Un commentaire? Non, ça va. D'accord. Salut, c'est le stagiaire de jeu Supercar pour le Top Car Top Marque Monaco Event de 2018. Nous sommes jeudi et c'est parti pour ce troisième jour de spotting. C'est l'heure de manger avec les messieurs. Philippe, avec une pizza à quoi là? Saumon. Faou, pareil. Moi, une marguerite et Jérémy, bah. Jérémy, il bouffe les olives, il a rien pris. Parce qu'il a tout mis dans son 1,45 AMG, du coup il a plus assez d'argent, miskin. Oh my god, Portugal Spotter. Portugal Spotter. Hello. Donc ce petit vlog surprise avec Franck de la McLaren est terminé. Combo Chiro. Waouh, regardez le convoi qui arrive. Ok, donc là c'est très gros combo. What the fuck, j'étais pas prêt, je vous mettrai le lien de... Donc tu peux y aller, vas-y. Fais chanter. Donc là, c'est parti pour aller faire un tour avec le club AMG Luxembourg. Je pense que ça en va envoyer du très 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 lourd. C'est parti. Wow. Je suis monté avec un tank.
Ciao les amis, merci. Allez, c'est parti. Dernier vlog de l'année 2018, on se retrouve en 2019. J'ai franchement pas mal de très beaux projets pour 2019. Je pense que ma chaîne YouTube va pas mal évoluer, notamment au niveau des home vlogs. Pour le moment, j'en ai fait que deux, mais bon, pour ceux qui m'ont suivi et qui regardent et qui aiment bien mes home vlogs, il y en aura d'autres par la suite. C'est juste que là, j'ai pas eu franchement le temps pour les réaliser parce que c'est énormément de temps, ne serait-ce qu'au montage. C'est un boulot fou, clairement. Et je suis tout seul à faire mes vidéos, hein. J'ai pas de monteur, etc. Donc je fais tout moi-même, que ce soit du cadrage jusqu'au montage, je fais tout moi-même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de home vlog après les deux épisodes, les deux premiers épisodes. Donc vous inquiétez pas, en 2019, il y en aura d'autres sur plein de thèmes différents. Voilà, j'espère que ce petit best-of vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une petite partie des meilleurs moments que j'ai passé en 2018, parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment à Monaco, que ce soit pendant le Top Marque, ou alors pendant mes vacances d'été quand j'étais à Cannes. J'ai vu des dizaines et des dizaines d'hypercars, notamment beaucoup de Bugatti Chiron. Et bon, vous le voyez derrière moi, la Bugatti Chiron, c'est quand même un de mes véhicules favoris. Donc voilà, une belle année de Chiron. J'espère que ça va continuer l'année prochaine. Et pourquoi pas peut-être la première Divo, hein, Bugatti Divo sur la route. Je l'espère. C'est mon souhait, voilà, croiser une Divo en 2019 sur la route. Et pour bien terminer l'année 2018, n'hésitez pas, à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très bientôt en 2019. Ciao les gars. Abonne-toi. Ciao.